Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Inch'Allah tkounou bkhir wa ala khir. Après plusieurs demandes, je viens avec une nouvelle recette qui est la pizza. Pour cela, je prends un bol, je mets de l'eau tiède, je prends une cuillère à soupe de levure boulangère, une cuillère à soupe de sucre, je mélange bien et je laisse lever. Voilà, dans une bassine, je prends ma farine. Je mets 1 kg de farine. Une cuillère à café de sel. Un peu de thym. J'aime bien mettre du thym pour donner du goût à la pâte. Du thym zâtre. Pour donner du goût à la pâte, je crois que je vais mettre de la lumière. Le thym, c'est l'équivalence d'une cuillère à café de thym. Je prends une tasse d'huile d'olive, une tasse à café. Une tasse à café d'huile d'olive. Et voilà, et ensuite je rajoute ma levure. Je fais mashallah qui fait talat. Talat al-kif. Voilà. Et je commence à ramasser la farine avec un verre de lait comme ça, tchède. Il y a environ 100 ml de lait. On nabdellem. Je commence à ramasser ma pâte. Sauf que ensuite, à chaque fois qu'il manquera, dites ou de l'eau ou du lait, c'est comme vous voulez, tchède. Voilà. Voilà, vous pétrissez un peu la pâte. Moi, je vais mettre ça dans le pétrin, puisque comme je vous ai dit, j'étais un peu fatiguée, donc j'arrive pas à pétrir à la main. Je vais la mettre au pétrin et je vous montrerai par la suite la texture qu'il faudra. Et voilà la pâte ajma, après pétrissage du pétrin. Regardez, c'est une pâte molle, mais qui ne colle pas. J'ai une atria au matalsakch. Vous laissez comme ça et vous la laissez dans un récipient, dans une bassine, dans votre bassine. Vous la laissez se reposer et doubler de volume. Voilà, un arajaha, le bol à pétrin. Je la couvre d'un film plastique et je la laisse se reposer. Et là, on va entamer la sauce tomate, la préparation de la sauce tomate. Là, je prends un bol, je prends un coulis de tomate. Je prends un coulis de tomate que je vais verser à l'intérieur. Je vais mettre du sel, du poivre, du paprika, du curcuma. Un alcool comme je mets de partout. C'est sain, c'est bon pour la santé. Moi, le curcuma, je mets dans tous mes plats. Du thym. Zâtre, du basilic, l'ahbak, de l'ail en poudre, tout en poudre ou frais, c'est comme vous voulez. J'ai baissé le volet à cause du soleil et voilà ma sauce tomate que je vais mélanger et que je vais rajouter sur ma pâte tout à l'heure, tout simplement. Voilà. Et voilà la pâte qui a doublé de volume. Chauffe. Elle a doublé de volume. Je vais la dégazer, la mettre sur mon plan de travail, l'étaler. On fait le plateau. Et je la mets sur mon plateau. Voilà, je farine mon plan de travail. Comme ça, elle ne colle pas. Je l'étale. Et je la mets sur mon plateau. Une fois que ma pâte est bien étalée sur le plateau, je vais la piquer. Je vais la piquer et je vais la laisser et je vais la laisser reposer pendant 5 à 10 minutes. Et je passe à la garniture.
Bon, pour la garniture, vous aurez besoin, moi personnellement, après vous, vous utilisez ce que vous voulez comme garniture. J'ai pris des oignons, du poivron, de la tomate fraîche et, comment on appelle ça, des olives, zitoun, comme j'avais plus de noir, donc j'ai pris les vertes, des vertes coupées et du thon, j'ai pris du thon. Vous pouvez utiliser du poulet, de la viande hachée, ce que vous voulez, et du persil. Ou bien tout simplement, comme ça, avec du persil. Ni viande, ni rien du tout, ni thon, ni wello. Donc voilà, je passe à la décoration de ma pizza. Voilà, moi j'ai mis mon four à chauffer. Je prends ma pizza, regardez, elle s'est reposée pendant 5 à 10 minutes. Elle a un peu... Elle est un peu gonflée. Là, je prends mon coulis de tomate. Je garnis. Une fois que mon coulis de tomate bien étalé, je rajoute la tomate fraîche. Je mets un peu partout de la tomate fraîche. Les oignons. Basla. Les poivrons. Les olives et là vous rajoutez votre viande, le thon ou des champignons, vous pouvez rajouter aussi des champignons, ce que vous voulez. Après vous pouvez laisser même comme ça et mettre au four. Et maintenant je vais l'enfourner dans le four à cuire et je vous montrerai la suite. Une fois que la pizza sort du four, vous mettez votre fromage râpé. Le fromage râpé. Voilà, le fromage y fond. Et vous prenez de l'huile d'olive et vous mettez un filet d'huile d'olive par-dessus. Et le persil. Voilà. Et vous laissez refroidir un tout petit peu et vous procédez à la découpe. Et voilà, voilà. Moi, je finis de découper et je vous montre ça dans l'assiette de présentation. À tout à l'heure. Et voilà, mes amis, la pizza prête et tranchée. Menekil comme charreha. L'odeur qui se dégage de cette pizza. Malheureusement, je ne peux pas vous transmettre l'odeur, mais c'est une odeur, masha'Allah, il n'y a rien à dire. Shahid Konfijana. Je vous dis à vos pétrins, à vos bras, suivez la recette et vous n'allez pas le regretter. Voilà tout. J'ai servi ma pizza avec le ben comme d'habitude. Moi, j'adore la pizza bel ben. Après, c'est des goûts. Inch'Allah, ajbat comme la pizza. Voilà, j'espère que la recette vous a plu. Testez-la, vous n'allez pas le regretter. Je vous le dis et je vous le redis. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle recette. Ciao ciao. هو غرامي خلاني في التهاب.